nous est présenté par le rabbin de la Brousselière, voici donc un champion sprinteur déjà étalon confirmé, Bosley. Alors Bosley, pas mal de choses à dire à ce sujet. Petit fils de Green Desert, on a parlé à plusieurs reprises déjà, à travers son père Chico Forest, qui était un champion sprinteur au Japon, on a parlé du petit niveau très très élevé des forces japonaises. Chico Forest a bien rendu les lieux, parce qu'il est mort malheureusement jeune, la mère est par Las Daigun, on n'a pas besoin de préciser le talent en tant que père de mère, lui-même fut un champion sprinteur qui a tenu jusqu'au bac, pour gagner un peu le bac d'ailleurs, Las Daigun. Et voici ce Bosley avec un physique à la dent, une tête expressive, regardez ce physique de déménageur, cette expression qui est employée en général dans ces cas-là, le vrai physique du sculpteur, un véritable taureau. Et ce cheval très précoce et tenace en grand, qui a réussi à tenir au top niveau à 2 ans, puisqu'il a gagné très récemment et jusqu'à 6 ans, encore placé depuis la Bélé Longchamp à 6 ans, a gagné 3 courses de groupe. Et je peux vous dire que gagner des courses de groupe sur le sprint, c'est pas facile parce que. Il y a une énorme concurrence, on a parlé un peu plus tôt ce matin, il y a une énorme concurrence sur le circuit anglais et irlandais. Et ce cheval, Bosley, fut un véritable champion et surtout un grand combattant. Vous pouvez voir les images là. C'était Jean Dupuis de Yann, ça, ou Jean Dupuis de Calotte, qui a plutôt monté par Karel Calotte. Alors, il porte